je me sens... beurré. Ramène-moi de discuter avec toi de la sécurité sur les lieux de travail. Très bien, Skylander. Cette graine colossale est préparée, salée, prête à l'usage. Tu ne devrais pas avoir de problème contre les titans à présent. Je vais charger ça dans l'oiseau des Tessa pour toi. Pourquoi tu vas pas voir ce que font Glumchance et Hugo au puits au souhait? Il paraît qu'ils ont un cadeau pour toi. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'on entame nos chapitres normalement? Oui. Non, pas de nouveau chapitre. D'accord, il n'y a pas de nouveau chapitre. Ok, j'aurais cru. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Top Top et aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e partie sur Let's Play de Skylander Supercharger sur Wii U. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on était au QG du Capitaine Clug pour récupérer la fameuse graine colossale qui va nous aider à récupérer... qui va nous aider à récupérer le cœur des anciens auprès d'un titan. Mais avant d'aller voir ce fameux titan et de nous-mêmes se transformer en titan, on va d'abord parler à Hugo qui a besoin de nous au puits au souhait. Tu as essayé le puits au souhait? C'est l'une des rares reliques magiques que nous ayons gardées. C'était sur la liste des choses pas encore revendiquées au lot de Carros. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Je crois qu'il aime juste jeter des rochers sur des machins. Eh bien, si tu as une pierre de souhait, tu peux la jeter dans le puits. Après quelques secondes, une surprise apparaît. Oh, c'est à ça que ça sert. Tenez, Skylander, prenez-le. Maintenant que je reste à l'académie avec vous tous, je n'ai pas le droit de demander plus. Ah bah merci, mon cher Glumchance. On va voir un petit peu ce qu'on a. On a déjà un premier chapeau, ça fait plaisir. Tiens, allez, on va le mettre. Regardez-moi ça. J'espère que ça vous sera utile. Je pense que Max a récupéré la graine colossale. Très bien, Flynn, quand tu voudras aller récupérer l'œil des anciens. Ah oui, l'œil des anciens, pas le cœur, oui. Bon. Je me suis trompé dans l'anatomie, bon, c'est pas très grave. Je peux pas continuer à lancer les pierres? Je peux pas lancer plus de pierres, ah bon? Ne vous en faites pas. Bon d'accord, bon, on va les garder pour plus tard alors. Allez, on va aller parler à Flynn et puis direction le titan hein, pour qu'on puisse récupérer ce fameux œil. Comment peut-on être sûr que ce gros morceau de popcorn va fonctionner? Et si on tombe sur un énorme titan et qu'au lieu de grandir, on a simplement l'estomac plein? Ça va marcher, Flynn, il le faut! Si on ne termine pas le cœur de lumière, on ne pourra pas arrêter les ténèbres. Je pense quand même que je devrais le tester pour être sûr. Mais bon, faites comme vous voulez. Bon, on va s'en occuper. Allez, on est parti donc pour le monde de l'île monstrueuse. C'est parti. Je vais dans le sens du... Allons affronter ce titan colossal. Il n'y a pas que les titans qui sont inquiétants. D'après les légendes, les trolls sauvages indigènes adorent les titans et obéissent à leur volonté jusqu'à leur mort. Chapitre 34 des vacances extra larges. Tu veux pouvoir l'affronter? Oui, parce qu'ils ont l'air très très gros, hein, ceux-là. Mais sérieux, vraiment sérieux. Couchez, Coco. Oui, j'arrive. Laisse-moi le temps d'arriver, mon chou. Et alors, qu'est-ce que vous avez contre les Skylander, les cocos? Dégagez de là. Oh là là. Ces titans énormes. Ils ont la capacité
Très bien, donne-la moi, mon cher Whiskers, merci. Allez, prenons-la. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes. Très bien, bon, cassez-vous parce que je ne sais pas vous écraser non plus. Allez, laissez-moi passer les cocos. Voilà, maintenant qu'on est devenu un titan, on va pouvoir tout détruire. Là, on va vraiment pouvoir s'amuser comme il faut, là. Allez, laissez passer Godzilla là. Il a un truc à récupérer. Même les véhicules sont géants en plus. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas bon, tu vois, il touche. T'as voyé quand même le nombre de dégâts, je fais 200 000 de dégâts les gars. Loul. Regardez-moi ça, 200 000 points de dégâts quoi. On sent quand même la puissance. Hein. Hello les Ozio. Aïe. Olé. Ça y en a, il est ouf. Chapitre 35, bassin de basalte. Enlève un ferrat avec l'air ici. Les trolls volent ces ferrats pour nourrir ce machin. Très bien, on va changer de véhicule, on va prendre le véhicule aérien pour cette mission. Ok. Et en plus, vous voyez, les ennemis, ils essayent, enfin, certains ennemis essayent en tout cas de me tirer dessus, mais vous voyez, je ne prends quasiment rien en dégâts, hein, vous voyez. Détruis les pales lourdes. Allez, 1, 2, 3. Regardez-moi ça, quoi. 140 000 points de dégâts. N'essayez pas d'attaquer Godzilla, les gars. Alors, 7, 8, je descends là en bas, 9. Alors, où sont les trois derniers? Là-bas. 10. 11. Et 12. Très bien. Parfait, nickel. Bon travail, Scamander. Tu as sauvé les poissons et les œufs de ces méchants trolls. Merci, c'était ça. Enfin, par contre, je t'entends parfaitement bien malgré que je suis un géant, hein, mais bon, c'est pas grave. Passons. Terra Shark. Ah, tu veux un combat mano à mano, mon chou? Par contre, reste pas là parce que. Ouais, il va m'attaquer sinon. Bon, je vois ton aileron de requin, hein. Regardez-moi ça, quoi. 70 000 points de dégâts que je fais. Bon, si tu te défends pas, moi je suis tranquille, hein.
complètement assommé, il fait plus rien quoi. Un petit peu couillon lui hein. Il a assommé pendant 10 minutes lui. Bien sûr. Il a compris à qui il avait affaire. Alors, il y avait un chemin de chien, un chemin de saut. Ouais, là, il fait passer par là, c'est bien ça. Une grosse piñata ici. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai même pas vu de l'or, c'est ça? Bah, je suis tellement gros que je vois même pas ce que je gagne, quoi. On peut descendre? Comment on descend? Comme ça, hop. Allez, on avance. Pas très compliqué, hein. Vous voyez ici. Salut les gars, vous essayez de me tirer dessus, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien, un morceau pour véhicule terrestre? Ouais, mais j'ai pas trop envie d'y aller maintenant. Je sais pas si c'est la suite ou pas, parce que les véhicules terrestres, je sais que ça peut être la suite. Bon, je vais juste bouger ça là-bas. Il y a un petit truc ici. Là, il n'y a rien là, non. C'est que des châteaux de sable. Hein. Ah oui, il y a un truc au-dessus, je l'ai vu. Ah, il y a aussi qui me tire dessus. Qui ose s'en prendre à moi, les gars? Attendez, comment je pousse ça? Comme ça. Comme ça. Voilà, c'est un peu trop, ouais. En fait, il faut que je fasse l'inverse. Attendez, comment je vais me procéder? Comme ça. Je pousse ça là, voilà. Je pousse ça là. Bon, la piñata, je m'en fous un peu. On va aller plutôt récupérer le coffre qui se trouve là-haut, là. Voilà, on va récupérer ça. Hop. Ah non, c'est des points de mettre du portail. Bon, je prends. Genre, ça te prend. Je peux pas descendre d'un coup. On peut passer par là directement. Je sais pas pourquoi je me suis entêté tout à l'heure, bon c'est pas grave. Bah, par contre ici là je rechange le scale de véhicule, pardon, donc on va changer de perso en même temps. Donc on y est. Top. Allez. Alors regardez, j'en reçois que un point de dégâts à chaque tir, hein, vous l'avez vu. Je voudrais pas voir à quel point on est puissant. Allez, après le gros beau géant, on passe au dragon géant maintenant. Expiro. Allez, c'est parti. Let's go. Tant bien, j'en suis un. Allez. Attention quand même, ça forme de partout. Ok, petite boîte à outils ici. Boule route pour le hot streak. Je sais plus si on l'avait déjà vu. Bon, dans le doute, j'aime bien vous montrer aussi les véhicules. Voilà. Allez, let's go. Allez, allez, avance. Tout seul. Olé. Voilà, doucement. Ok, la fin de la route est ici. Hop là, parfait. Très bien. Chapitre 36, côte exclusive. Qu'est-ce que tu fais ici? Les sources chaudes sont réservées aux VIP, mais tu n'es pas un VIP.
chèvre tout à fait à mode. Je sais pas si vous recevez beaucoup de VIP parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de titans sur votre île, hein. Bah, en même temps, vous devez vous la clé 12, la tech que vous faites. Mais moi, je vais vous en empêcher. Oui, oui, non, mais on y va. Non, mais dis donc, je te permets pas. On descend. Allez, descend. Attention à ces tentacules. Olé. Pourquoi tu te barres? Laisse-moi venir à toi. Aïe. Aïe. Non mais arrête de me fuir. Descends. Aïe, aïe, aïe. On va regarder les gars, j'ai 141 points de dégâts quoi. Franchement j'ai rien à craindre hein, vu la taille que je fais. Ah, je te dérange, oui, bien sûr. Ok, réparation. Ok. Et alors? Tu veux pas partager, ma chérie? En même temps, ces pauvres toits, ils doivent en avoir pour des jours à vous nettoyer, hein. À coup de serpillère. Tu vas goûter aux horreurs du fond des mers. J'ai pas peur, hein. T'inquiète pas. Vu la taille qu'on fait, j'ai pas peur de toi, ma chérie, hein. J'ai pas peur de tes petits bestioles ridicules, là. Il me faut que 36 points de dégâts, alors que moi, j'en fais plus de 240 000, alors... Écoute, ma chérie, si t'en as marre, je peux rien faire pour toi. Wow, ah, c'était tout. Bon, ça va, c'était pas si dur. Ok, on passe niveau 58, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on obtient pour ce niveau? Dites-moi tout. Alors, les véhicules romains, alors, des bonus de poids. Voilà, veuillez m'excuser, on reprend tout de suite. Donc, bonus de poids, oui, bonus de poids. On va le mettre pour le terrestre, allez. Allez, on est parti pour Pitch Combat, du coup. Non mais dis donc, sors de là, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai énervé parce que tu n'étais pas mis dans ton bassin. T'inquiète pas avec moi, aïe. Il faut que je saute au-dessus. Aïe, franchement. Oh, tu peux sortir de l'eau, ma chérie, là, à fond. Oui, t'es la reine de la casse, ouais, surtout. Ouais. Mais oui, là, là, là. Elle sort de là. Ah, tu crois? Et là, pourtant, je t'ai eu, ma chérie. Excellente manière d'éveiller la conscience sociale de cette vieille bourgeoise Skylander. Chapitre 37, Titanopolis. Il y en a des choses à faire ici. Bien joué, Skylander! Continue! Oh, le gros gem, je prends. Oui, mais on avance. Allez, laissez passer le dragon géant, les gars. C'est ça votre Titanopolis, hein, on ne fait que de sable. Fonce droit sur la
Étoile terrestre terminée, très bien. Parfait. C'est ça que je veux, mon chou. Donc tu vas vite me le donner, je te le dis. Aïe. Aïe, doucement, doucement. Je suis bloqué, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Ok, on va sauter dessus. Oh, espèce de crabe pas frais là, allez! Ah, tu fais t'échauffer, moi je vais te chauffer, moi tu vas voir. Aïe! Moi aussi je vais te faire chauffer, moi. Oui, bien sûr, oui. Aïe, aïe, par contre tu fais mal. Soigne-toi. Et voilà, parfait. Thank you.
ne t'inquiète pas, on le retrouvera. Allez, je m'excuse d'empiéter sur les dialogues, mais je dois couper la vidéo, on a 30 minutes et ma caméra va s'arrêter là dans quelques instants. Allez, donc c'était Top Top donc pour cette 11e partie sur l'esprit de Skylander Supercharger. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, donc on ira réparer les moteurs et puis on essaiera de retrouver le cœur de lumière ainsi que ce cher Club Shanks. Et en attendant, bah moi je vous dis... Et en attendant, bah moi je vous dis... À la prochaine tout le monde! Thank you.